Bah c'est parfait, on va continuer dans le sport. Alors là, on change de sport, hein. C'est le Krav Maga. Ce matin, Laurent ne se laisse pas faire. On l'attaque, il se défend. C'est la discipline qui nous fait découvrir ce matin. On l'a vu, Laurent est bien entouré et c'est le moment de passer aux travaux pratiques. Et voilà, je suis toujours avec Raymond et c'est le moment de faire un petit cours, une petite initiation. Une petite initiation, avec oui. Avec les gestes simples et plus simples. Tout simplement, quelqu'un qui vient t'attraper là. Tirer très fort. Ouais. De là, si tu tires, t'as du mal. Il ne se passe rien. Alors que tu me le fais, si je fais simplement ça, ça sort tout seul. Ah ben non, j'essaie de... Je réexplique. Quand je tiens, ouais. Tu attrapes ta main comme une poignée de main. D'accord. Et tu vas tourner ton pouce entre mon pouce et ah, mon doigt. C'est et tu incroyable. Tires. Ah voilà. Ouais. Sur un costaud, Nelmo. Alors Nelmo, qui est costaud quand même. Ah oui. Alors là, tout le monde voit que j'essaye. Et là, on tourne. Ah, c'est fantastique. Tout et à fait. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Alors, merci. Et donc la sortie, on est dans la légitime défense. Donc, toute défense doit être proportionnelle à l'attaque donc, et voilà. Dans l'immédiat. Donc là, on a juste essayé de m'attraper, donc j'arrête. Maintenant, si tu viens m'attaquer en me serrant comme ça, hop, j'ouvre et je viens faire une clé de doigt. D'accord, clé de doigt. Et je pouvais refrapper derrière. Tu pouvais. Mais je ne vais pas le faire. Voilà, je suis content que tu ne l'aies pas fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que ça... Donc là, il y a un réflexe, hein, le réflexe de Goji, hop, ça s'ouvre. Tout seul, quand on tape, il faut taper suffisamment fort. Et tout de suite après, on attrape un doigt et le doigt est très fragile. C'est génial, c'est un réflexe. Et sur... Alors, un costaud qui costaud. Me... Donc là. Je tape là. Oui, assez fort. Tout de suite, il ouvre. On tourne. Très bien, okay. Très bien. Et là, si vraiment il était très méchant, on peut enchaîner un coup de pied. Ok, et après... Et on sauve. Et là, on sauve. Et là, je me sauve. Oui, carrément. Ça va, Nelmo? Ça va. Je t'ai pas fait mal? Non. Ah. Il dit ça, mais en fait, je lui ai fait un peu mal. Après, dans d'autres autres situations, sur un étranglement, quelqu'un qui viendrait... Alors là, on est bien sur une agression un peu plus... Un peu plus forte. Ouais, un peu plus bon, forte, là. On y va aussi, donc tu me l'as fait, par exemple. Je vais sortir là. D'accord. Et je vais me sauver. Ah, moi, j'ai le réflexe de serrer les jambes, hein, quand même, un petit mais, peu. Oui, mais dans la réalité, il n'y a pas le temps. Parce que tu sais que tu ouais. vas avoir ça. Ah oui, je sais, oui, ah. D'accord. Mais dans la réalité, il n'y a pas le temps. Donc, Nelmo peut te le faire. Donc, je dois ouvrir. Donc, on ouvre comme ça. Pas dans l'autre sens. Non, oui. Je l'aime beaucoup, hein. Je suis désolé si coup de genou en même temps. Comme pied. Ça. Voilà, nickel. Un deuxième coup. Comme ça. Non, pied encore. Ah, pied. Alors, ouais. Ok. Alors, c'est là, t'étais loin, c'est pour même ça. Même s'il est costaud, même s'il sert fort, ça, oui, parce c'est que naturel. On va être dans l'immédiateté du réflexe. Comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Et après, je... Et tu te sauves aussi. Ah, je me sauve aussi, ouais. Tout à fait. Ça joue aussi beaucoup sur, en fait, sur, par exemple, sur la main et tout de suite. On toujours est... sur le réflexif. Sur le réflexif et aussi sur le fait qu'on ait confiance en nous. Enfin, en tout cas, la personne qui agresse doit se dire, en fait, se dit « Ah mince !» Ça la surprend complètement. Souvent, ça va être un agresseur, quelqu'un de fort, qui se sent fort, et il va être étonné de tomber sur quelqu'un qui est beaucoup moins fort, quelqu'un comme toi, monsieur ou madame tout le monde, Corinne, et puis il y a une réaction. Et rien que ça, ça permet des fois d'arrêter les choses. Eh bien, merci beaucoup Raymond pour cette découverte. Merci à toute l'équipe. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est du Krav Maga. Je vous conseille d'essayer. C'est de self-défense. Et moi, je vous dis à bientôt à la prochaine. À merci bientôt. Beaucoup. Nelmo vient donc essayer de me stranguler. C'était pour finir, parce que c'est un moment que j'aime beaucoup. Voilà. Hop là. Et là, enchaîne. Comme ça. Deuxième. Là, et tout sauve. Et je me et sauve. Et voilà. Je me sauve. Voilà. Tout à fait. Ça, pour vous sauver, vous êtes très fort.